Bonjour Et bien pour ce sixième Michel midi consacré au coronavirus, nous allons parler d'un de, de sujet qui circule beaucoup sur lequel il y a énormément de demandes, de questions, de prises de position pour ou contre à fond. On va essayer de réfléchir ensemble là-dessus. Sur le médicament miracle, la chloroquine, sur les positions du docteur Raoult de Marseille, euh, génie ou fumiste, complot, euh, débat d'idées. Et on va analyser les questions de la prévention, de la préparation de notre état fameuse question des masques qui manquent en euh, Belgique, en France. La question de la stratégie, faut-il le confinement ou faut-il pas de confinement et créer une immunité collective euh, Et euh, quelle solution va présenter plus de morts et plus de sécurité Et on va voir aussi ce que l'État a fait ou n'a pas fait. L'impact du pharma business sur la politique de santé publique et ce que nous pouvons faire pour, pour l'avenir. Voilà, il y a beaucoup de thèmes. Ça m'a pris du temps de vous les préparer et présenter parce que, en fait, c'est un des sujets euh, les plus difficiles à préparer pour moi. D'habitude, je prends des sujets pour Michel Midi où je suis un peu compétent, où j'ai. Les personnes ressources avec qui je travaille, et là je dois parler de ce que je ne connais pas bien. Donc on va me dire, ben, taisez-vous alors. Oui, peut-être, mais euh, c'est la question que tous les citoyens se posent pour eux, pour leurs enfants, avec angoisse. Donc en tant que citoyen, on doit aussi réfléchir. Alors je ne vais pas ici aujourd'hui commencer à vous dire, voilà, euh, il faut vous soigner avec ceci ou avec cela, il faut penser telle chose ou telle chose des euh, tels experts, c'est plutôt nous, en tant que citoyens qui ne sommes pas médecins ou scientifiques, quels sont les critères pour permettre de juger parmi ce débat entre experts, parmi ces, ces opinions contradictoires, et quels sont les critères pour faire en sorte qu'en tirant les leçons de tout ceci, notre système de santé publique à l'avenir soit plus performant, plus sûr euh, est-ce que tout ça a été prévisible ou non qu'est-ce qu'on a fait, est-ce que notre système de santé publique est euh, déformé, affaibli par des intérêts euh, cachés ou discrets ou alors des intérêts qu'on connaît mais qu'on juge trop fort, on n'y peut rien voilà, c'est ça le, le thème d'aujourd'hui avec en, en toile de fond la fameuse question la santé doit-elle être un droit ou une marchandise euh, je voudrais dire une chose, c'est que ce n'est pas un problème de personne et ce n'est pas un problème de croire ou non à telle personne. Euh, c'est quelque chose que j'ai déjà rencontré aussi dans les thèmes où je, je suis actif, les euh, politiques de guerre, la désinformation, les géostratégies. Les injustices, rapport Nord-Sud. Il y a un peu une tendance dans le public à se rallier à, à telle ou telle star, se considérer comme fan de. Et c'est quelque chose en quoi je tiens toujours à mettre en, en garde. Il ne s'agit pas d'être fan de, il ne s'agit pas de croire en quelqu'un. Tout le monde peut se tromper, moi le premier, on l'a déjà fait, et l'important est plutôt ce que chacun peut faire, comment chacun peut se former et devenir lui-même capable de trancher entre différentes opinions sans être dans la position du, du croyant. Euh, si on analyse ce virus, on voit qu'il nous pose toute une série de problèmes. Euh, compliqué à résoudre. Et premier problème de terrain, c'était clairement un virus euh, nouveau, avec des caractéristiques différentes et compliquées pour la prévention. Et après un certain temps et des erreurs qui ont été reconnues en Chine et un temps qui a été perdu au début, il y a eu une réponse très radicale, très efficace sur avec justement la prise en charge par un État puissant, trop autoritaire disent certains, efficace disent d'autres, la prise en charge de toute une série de mesures radicales. Et en premier, l'identification du génome dès le 7 janvier, la communication internationale, c'est la base évidemment pour savoir à quel virus on a affaire et comment on peut y résister. C'était pas les caractéristiques d'une grippe classique. On n'avait pas de remède, on n'avait pas de vaccin. On n'en a pas encore de vaccin établi. Et cette situation provient du fait qu'on a une mutation des virus. En fait, le coronavirus est quelque chose d'assez ancien qui a muté. Donc, ça veut dire qu'il y a des leçons à tirer, des expériences précédentes. Est-ce qu'on en a tiré les leçons qu'il fallait Est-ce qu'on s'est préparé est-ce que les antibiotiques primassivement nous affaiblissent Est-ce que l'alimentation, comme le disait Staffendrix, nous affaiblit euh, On y reviendra. En tout cas, ça pose une première question. C'est est-ce qu'on veut des États qui pratiquent le laisser-faire, qui pratiquent allez-y les virus, allez-y le pharma business, allez-y les forces du marché Quand vous trouvez que c'est intéressant et que vous gagnez de l'argent, vous vous en occupez. Si ce n'est pas intéressant, vous vous en occupez pas, vous êtes imprévoyant. Donc, il y a une question d'économie, de conception de l'économie qui est euh, en, en toile de fond, là, en dessous. On assiste à, en fait, une conception de l'État néolibéral qui sévit depuis 1980, Reagan-Thatcher, et que tout, quasiment tous les partis au pouvoir, même ceux qui se disent pas libéraux, ont appliqué, euh, en France, en Belgique, en euh, Hollande, etc., c'est-à-dire une conception de l'État, c'est le marché qui va tout euh, trancher, il faut laisser faire les entreprises, ça sera pour le bien commun, c'est comme ça qu'on va se développer, qu'on va croître. Bon, ça pose des problèmes de gaspillage et de, de destruction du climat, ça a déjà été une première sonnette d'alarme qui a été euh, tirée par la jeunesse et beaucoup de gens. Mais dans le plan de la santé, on peut vraiment se poser la question. Ce qu'on constate, c'est que... L'État néolibéral a privatisé la santé publique, a diminué très fort le nombre de lits, n'a pas préparé des masques, a délocalisé leur production, donc il n'y en avait plus ici, n'a pas constitué des, grands, des stocks importants. Et là, on est dans une conception de l'économie qui est ce qu'on appelle l'économie à flux tendu, c'est l'économie néolibérale. Avant, les usines avaient des stocks et on fournissait. Et maintenant, l'idée, c'est qu'on ne fait pas de stocks. On fournit au fur et à mesure de la demande, donc on ramasse des millions de camions qui circulent partout et qui polluent et qui encombrent. Et donc cette conception on produit au dernier moment est tout juste. Est-ce qu'elle est applicable pour les soins de santé, pour les masques, pour les lits d'hôpitaux On voit bien que non. Donc il va falloir interroger cette conception, d'autant plus qu'on nous disait... Depuis longtemps, oui, il y a peut-être une guerre bactériologique. Vous savez, Saddam Hussein, des gens comme ça, ils sont très dangereux. Ils ont des armes de destruction massive. Bien, mais alors la question est de savoir si vraiment vous pensez qu'il y a des États qui pourraient nous balancer des armes bactériologiques. Qu'avez-vous fait Qu'avez-vous préparé Où sont les masques Où sont les, les les systèmes de riposte On voit qu'il y a rien du tout. Donc vous avez raconté des trucs aux gens, ou bien euh, vous avez en fait, appliquer une conception du marché. Ça ne rapporte pas tout de suite d'aller constituer des stocks de masques, donc on ne va pas le faire. Mais Aujourd'hui, on le paye terriblement cher. Et donc, ça pose aussi la conception de notre défense. Quelle conception, vous, les élites gouvernantes, avez-vous sur notre défense Vous achetez des avions F-35 en Belgique, les équivalents en France, pour aller, ben ça ne ça va pas nous protéger des virus, pour aller bombarder des pays qui ne vous attaquent pas. Euh, Causer beaucoup de dégâts, de souffrances, de terrorisme en retour, mais sur les âmes bactériologiques, pour nous protéger, vous n'êtes pas capable de constituer un, un stock de masques. Et là, dans cette histoire de masques, déjà, on a un premier, un premier repère. C'est-à-dire qu'en Belgique, on eu, euh, n'avait pas de masques. Depuis 2018, euh, les vieux stocks existants, euh, l'armée les avait laissés pourrir et donc ils étaient inutilisables. Et euh, on a eu notre ministre de la Santé, Maggie Debloc, qui est une ultra libérale de droite, qui a lancé un appel d'offres pour des masques euh, il y a, au moment où cette crise a commencé. Et le problème, c'est qu'elle a passé la commande des masques à un petit copain de son parti, un certain Mahmoud Hauss. Qui n'était vraiment pas compétent, n'était qu'un intermédiaire, qui a promis Oui, oui, on va vous livrer 5 millions de, de masques, et il n'en était absolument pas capable, ça devait venir de Turquie, rien n'était prêt, et ça n'a absolument pas eu lieu. Et donc on s'est retrouvé sans masque, avec donc des euh, médecins, des infirmières, des soignants qui sont en grand danger, euh, faute de masques. Et donc là, en temps normal, une ministre, pareil, aurait dû démissionner depuis longtemps. Donc ça pose un problème de corruption dans ces parties. On fait du business avec des copains et euh, on ne protège pas la population. Donc il y a des euh, intérêts qui euh, mettent en danger la protection générale. Et ça c'est une première leçon par rapport à cette euh, histoire de masque. J'en viens maintenant à la question pour laquelle j'ai donné le titre de cette émission. Euh, je suis bombardé gentiment de mails sur qu'est-ce que vous pensez du professeur Raoult de Marseille Est-ce que euh, il a raison et les autres ont tout faux Est-ce que donc euh, il faut pas le, confirme, le confinement Est-ce que euh, son médicament va nous sauver tous Je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, donc il ne faut pas suivre mon avis sur le traitement, mais on peut réfléchir sur pourquoi cette polémique Et y a-t-il vraiment des gens euh, en qui, comme ça, il faudrait placer une confiance aveugle Alors j'ai demandé à plusieurs personnes, médecins et scientifiques de mon entourage, de vérifier ce que nous avait dit le professeur Raoult et si vraiment cet engouement était justifié. Euh, on a vu notamment un texte... Euh, d'un autre médecin, euh, le professeur Jean-Dominique Michel, qui est à fond pro-route, et qui disait dans sa note qui a beaucoup circulé, une série de choses intéressantes, notamment que le coronavirus frappe évidemment beaucoup plus de personnes fragiles qui avaient déjà des autres problèmes, ça on le savait, et qu'il souligne que... Le problème est donc de faire en sorte qu'il y ait une meilleure prévention sanitaire en général et que les grandes maladies chroniques que nous connaissons, euh, cardiaques, etc., ont quatre facteurs à l'origine. Ça, c'est quelque chose que je m'étais aussi basé sur Staff Hendricks pour nous le, euh, le souligner récemment. Et on va faire revenir Staff Hendricks parce qu'il a des conseils à nous donner sur comment on se nourrir pour une bonne prévention et les quatre grands facteurs étant la malbouffe, la, la nourriture industrielle de l'agro-industrie, la pollution, le stress et la sédentarité, le fait qu'évidemment, on est tous à nos ordi et qu'on n'a pas beaucoup d'exercices. De, voilà, ça c'est tout à fait juste, ça, il y a des choses tout à fait justes qu'on partage, et donc, je crois qu'on doit faire le tri, quand on entend quelqu'un, pas nécessairement pas tout faux ou tout vrai, mais qu'est-ce qui peut être juste, qu'est-ce qui peut être par contre mis en question. Et là... Euh, J'entends par exemple, bon, c'est quelqu'un qui a produit euh, énormément d'articles scientifiques. Euh, euh, sur son site, euh, on parle de 2600 articles. Bien, euh, Est-ce que ça veut dire que sur ce sujet-ci, c'est quelqu'un qui est euh, compétent? Euh, Johan qui a écrit euh, le livre l'homme, un loup pour l'homme, euh, avec Dirk van Duppen, les fondements scientifiques de la solidarité, et qui analyse les théories de la droite néolibérale sur euh, l'espèce humaine. Euh, Johan Ubeck a regardé quelques-uns des articles de professeur Raoult et euh, il me dit, il n'est absolument pas compétent dans ce domaine-ci. Il fait comme s'il était un spécialiste. Mais il publie des articles sur toutes sortes de choses en suivant les tendances à la mode et par exemple dans un, un article du journal patronal de droite Les Échos, Raoult a dit que euh, je cite parce que j'ai euh, trouvé la la citation dans ce bouquin. Raoul dit que il a euh, qu'en fait il se passe quelque chose de bien particulier dans le cerveau des malades et que on va avec l'IRM, donc avec les résonances magnétiques du, du cerveau, être capable de comprendre et de classer objectivement des manifestations telles que l'anxiété, la dépression, l'insomnie, jusqu'ici définies comme subjectives. Et donc, ça, me dit Johan, c'est une thèse dangereuse parce que, bien sûr, il peut y avoir des problèmes dans le cerveau, il faut les analyser, mais dire que les problèmes viennent de là et que. Les maladies psychiatriques viennent de la génétique ou de la biochimie et que la société n'a pas de responsabilité là-dedans, c'est une excuse pour laisser les passants psychiatriques dans des mouroirs. C'est une excuse pour ne pas voir que la société provoque énormément de gens malades dans leur tête et qu'il ne faut pas seulement soigner ces gens, mais d'abord la société qui provoque ça. Un autre psychologue très connu en Flandre a euh, développer le même genre de thème, mais j'espère pouvoir l'inviter prochainement dans, dans un Michel Midi. Euh, et donc, ça c'est déjà une première euh, question. Euh, Johan me dit 2600 articles, moi j'en trouve dans le PubMed, le catalogue des publications médicales, j'en trouve 1823. Évidemment, c'est pas un travail personnel qui justifie 1823 articles. Sa spécialité, c'est d'étudier le microbiote intestinal et les virus géants. Là, il a publié dans des journaux prestigieux avec d'autres groupes à Marseille, mais il n'est pas spécialiste du coronavirus. Je crois que c'est plutôt un scientifique qui euh, suit, euh, qui sort sur les tendances du moment et, et voilà. Il critique ses articles sur Le Figaro, Le Point, etc. Euh, sur la question du coronavirus, un euh, autre de mes chercheurs me dit Le 20 janvier dernier, Raoult était en plein déni de l'épidémie de coronavirus. Je cite Raoult Il se passe un truc où il y a trois Chinois qui meurent, ça fait une alerte mondiale, ça passe à la radio et à la télévision, c'est complètement euh, délirant. Bien, euh, on n'est pas vraiment à un petit truc insignifiant. Le 17 février encore. Il pense que le virus fait moins de morts que les accidents de trottinettes. Voilà, vous trouverez ça sur internet. Euh, dire comme ça en évolution, c'est pas grave, il y en a autant que les accidents de trottinette, puis oui, il y en a un peu plus, mais c'est autant que la grippe, sans tenir compte qu'il y a des courbes de progression qui sont quand même euh, qui montent, qui grimpent énormément, exponentielles, comme on dit en jargon, et que si on ne fait rien, ben elles vont exploser, et euh, voilà, c'est euh, pas logique. Dire aussi que Raoul, il y a eu qu'un mort de la rougeole l'année dernière, c'est donc le vaccin ne sert à rien, bof, et que le réchauffement climatique, selon lui, c'est n'importe quoi, ces modèles mathématiques avec des extrapolations, pour l'instant, ça va très bien, bof. Euh, voilà. Il y a, ça, c'est une première indication. J'ai demandé. Euh, aussi à docteur hendrix, par rapport à ça, la chloroquine, n'est-ce pas euh, Et j'ai reçu cette réponse. Il y a actuellement beaucoup d'institutions universitaires et autres qui ont demandé de l'argent, des subsides médicaux pour chercher des médecins, des médicaments et des vaccins. La chloroquine, me dit-il, semble bien aider mais il a fait seulement un test montrant que des gens guérissent plus vite. C'est trop peu pour dire, OK, ça ira. Et Staff Hendrix me dit, en fait, on a deux types de vaccins. Un premier qui est les vaccins normaux habituels, qui sont euh, des virus affaiblis, qu'on vous inocule en même temps que l'antidote, pour la grippe par exemple. Et maintenant, il y a une autre piste qui peut être intéressante, à savoir qu'on bloque... Les récepteurs dans votre corps qui font que le coronavirus peut euh, s'accrocher. Voilà euh, deux, deux indications déjà. Euh, ça ne veut pas dire que la question est fermée et réglée et que tout ça ne, ne tient pas debout. Un autre euh, médecin épidémiologiste en France, euh, Badia, nous indique euh, attention, parmi les 26 patients ayant reçu l'anivacine, six sont sortis de l'étude, trois ont été transférés en réanimation, un est décédé le jour 3, après avoir été trouvé négatif le jour 2, deux ont quitté le protocole, l'un pour nausées, le, le quittant l'hôpital. Donc, on doit retenir que oui patients sur 14 traités à l'anivacine ont eu un, un diagnostic négatif au sixième jour du traitement. Donc, il n'est pas question d'une guérison clinique générale, mais d'un critère biologique sur un groupe initial d'où ont été exclus trois malades graves conduits en réanimation et un mort en, de, en cours de traitement. Mais il ne ferme pas la porte. Il dit, on peut considérer qu'en période de crise, la rigueur scientifique qui exige des essais cliniques n'est pas de mise et ce travail est prometteur car réduire le temps du portage pour les patients, ou avec peu de symptômes, ça diminue la dissémination du virus. Mais dit-elle, on peut obtenir le même résultat par le confinement sans traitement, la, freiner la contamination. Ça apporte le même résultat. Ce médicament serait vraiment intéressant si il guérit les formes potentiellement graves. Dans ce cas-là, il faudrait plus faire le confinement, mais cette étude ne le démontre pas. Des essais ultérieurs le feront, nous l'espérons. Donc positif. Euh, que je retrouve ce que disait. Oui, alors. Yohanoubek mettait en avant que sur le même sujet de la vaccination ou de la thérapie. On a eu euh, un article plein de bon sens en Chine de Shibo Jian, et ça n'a absolument pas passé dans la presse occidentale. C'est vraiment énervant, cette manie de soit ignorer ce qui se passe en Chine, soit en dire tout le temps du mal. Bon, pour l'instant, ils seront bien obligés de reconnaître qu'il y a eu des résultats efficaces, mais et on aimerait un peu plus. On aimerait qu'on nous donne la parole à des Chinois qui tirent des leçons de ça. C'est quand même une arrogance un peu impériale, un peu raciste. Euh, que rien de bon ne peut venir là-bas. Écoutez simplement les gens qui ont une expérience et qui n'ont pas fait si mal. Et donc, Jian, ma prononciation chinoise n'étant pas garantie, euh, a publié dans le, dans le périodique Nature du 19 mars un article intitulé Ne vous précipitez pas pour déployer des vaccins et des médicaments contre le Covid-19. Et voici un extrait de son article. Tester des vaccins et des médicaments sans prendre le temps de comprendre tout à fait les risques sanitaires pourrait produire des déconvenus pendant cette pandémie et dans le futur. Je pense qu'il s'adresse et au gouvernement chinois et euh, au gouvernement du monde. En effet, dit ce chercheur, la volonté du public de ralentir la contamination est liée à la confiance que le public a dans les avis sanitaires du gouvernement. Une ruée vers des vaccins ou vers des thérapies potentiellement risqué, pourrait trahir cette confiance et décourager le travail pour développer de meilleures alternatives. Et ici, c'est un proverbe que je ne connaissais pas, mais qui semblait raisonnable. Malgré la mesure réelle de l'urgence, le vieux proverbe tient. Un tailleur mesure deux fois avant qu'il ne coupe. Voilà donc une série d'avis concernant euh, ce médicament. Ce que j'ai retenu en tout cas... Du, euh, des communiqués, des vidéos du professeur Raoult et d'une série d'autres, c'est que ce qui était le, la carence épouvantable de nos euh, gouvernants ici en Europe occidentale, c'est l'absence de dépistage et l'absence de tests. On n'avait pas les instruments, alors on les a réservés à quelques-uns. C'est justement ça le problème fondamental. Pourquoi on n'avait pas euh, des kits de dépistage et des tests et des masques protecteurs Voilà. Euh, une série de remarques sur la question du médicament qui pose une autre question importante, la question du confinement, oui ou non. On a eu beaucoup d'opinions euh, diverses là-dessus, on a eu un certain j'm'en foutisme de minorité, ça a été mis en avant par beaucoup de gens, pourquoi J'ai l'impression que la plupart du public ici prend ça très au sérieux et montre une, une grande discipline, une grande rigueur. Donc c'est intéressant par rapport à tous ces discours sur oui les foules ceci, bla bla, etc. Non les gens sont très bien capables de réfléchir, de faire des sacrifices, de se montrer disciplinés peut-être plus que ceux de, de nos élites. Et donc il y a une vraie question qui se pose avec ça. On nous dit le confinement c'est pas bon, mais l'alternative c'est quoi L'alternative c'est ce qui a été euh, décrit comme l'immunité collective qu'il fallait se laisser développer. Et donc, on a eu euh, cette théorie en Grande-Bretagne, en Hollande. La théorie, voilà, on va faire comme la grippe, il euh, y a des gens qui vont l'attraper, certains vont en mourir, mais tous les autres vont être immunisés. Et comme ça, on ne doit pas arrêter l'économie. Et on ne doit pas confiner trop de gens, etc. Les Chinois, eux, ont fait le confinement, après un certain retard, mais radicalement, et ils ont obtenu un arrêt significatif de l'épidémie. Dans d'autres pays, on ne l'a pas fait ou on l'a fait trop tard. Et on voit maintenant l'Italie, qui a plus de morts qu'en Chine comparer les populations. L'Espagne est en train de prendre la même voie. Ici, il y a aujourd'hui des statistiques un petit peu rassurantes, mais on ne peut pas juger tout ça sur un ou deux jours, donc le danger est clair. Et l'autre solution, l'alternative, c'est créer l'immunité collective, c'est-à-dire on laisse les gens l'attraper. Il y aura des morts, mais ceux qui l'auront attrapé seront immunisés. Euh, le problème de cette solution là, c'est que personne n'a le remède pour maintenant pour la grippe. On a des remèdes, on a des, des moyens de la contrer, mais celle-ci on ne l'a pas. Donc, si vous ne soignez pas, vous allez avoir les hôpitaux complètement engorgés, qui vont imploser avec beaucoup de malades, qui vont plus être capables de soigner et le virus et les autres maladies et les accidents qui vont pas s'arrêter même si on a moins de circulation routière. Et donc pour l'économie aussi, on va avoir bien pire qu'une récession euh, quand on a tellement de morts. Alors, c'est frappant de remarquer que les deux pays qui ont choisi pour l'immunité collective et donc pas de confinement sont les deux pays les plus néolibéraux, les plus à droite, les plus économies sauvages. On laisse tout faire en Europe, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Boris Johnson et Mark Rutte. Ça veut dire que ces deux pays acceptent qu'il y ait beaucoup plus de morts. Bon, après un certain temps, Boris Johnson a quand même reculé. Alors qu'il voulait laisser les écoles ouvertes, il les a finalement fermées et il a commencé à appliquer les euh, recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Je pense que les conseillers de Johnson ont dit "Mais vous allez avoir beaucoup de morts que vous n'allez pas pouvoir euh, cacher et euh, ça ne fera pas nécessairement bien du point de vue des électeurs." Évidemment, le calcul très cynique des néolibéraux, on va pas dire qu'ils y ont pensé, mais ça joue quand même. L'économie, ça occupe une place pire qu'un virus dans leur cerveau. Le problème, c'est que s'il y a des morts, un, ça va être principalement des vieux, donc moins de retraites à payer, et ça va aussi être plus dans la population pauvre, parce qu'évidemment, si toutes les classes sociales peuvent être touchées. Par Cette euh, épidémie, il est clair que euh, plus on est pauvre, moins on a les moyens de se soigner, moins on arrive dans des bonnes conditions, et donc là aussi il y aura, ouais, pour parler scéniquement, euh, moins de sécurité sociale à payer, n'est-ce pas? Donc euh, voilà, c'est quelque chose que Johan Hubeck euh, souligne très très fort. Euh, en disant que heureusement ces criminels, il parle de Boris Johnson, se sont rendus compte que les morts ne dispa disparaissent pas si facilement et que ça ferait un mauvais effet sur les électeurs. Voilà. Euh, et il dit ça confirme que nous mettons en garde contre le néolibéralisme et le darwinisme social. Donc seuls les plus forts survivent, les autres on les laisse mourir. Ça c'est une théorie inhumaine qui est derrière les théories des, des libéraux pur et dur. Donc voilà, la question euh, immunité collective ou euh, confinement, c'est aussi une question, euh, est-ce qu'on accepte d'avoir beaucoup plus de morts qu'il n'est vraiment nécessaire et est-ce qu'on peut accepter d'avoir de, des morts qu'on pouvait éviter Voilà deux, deux types de réactions euh, de l'État par rapport à cette situation. Et donc on en, on en arrive à, à ceci, c'est que les problèmes de santé publique sont déformés par les intérêts du pharma business. Le pharma business, comme me fait remarquer le docteur Staffendricks, ont intérêt à vendre des vaccins très chers. Et ils nous ont déjà fait le coup avec euh, la grippe. Tout d'un coup, il y a quelques années, tout le monde devait absolument se faire vacciner contre la grippe. Puis euh, c'est une fausse alerte. Mais entre temps, les firmes, du big pharma, en ont profité pour empocher des milliards et en développant une certaine hystérie. Donc la question scientifique est-ce est qu'il y avait une chance que ce soit très grave, est-ce qu'il fallait vacciner ou comme ça? en tout cas le fait que le pharma business s'enrichit énormément sur le malheur des autres ça pose un problème ça pose un problème est-ce que les médicaments doivent dépendre du profit ou d'autres critères et donc en fait ça montre la nécessité d'avoir euh, publiquement des grands débats entre les chercheurs publics entre les chercheurs pardon et sans euh, la pression du, du pharma-business. Donc je crois que ces débats doivent avoir lieu avec Raoult, avec tout le monde, et qu'il euh, faut éviter que des intérêts en déforment certains euh, débats euh, de santé publique, comme d'autres débats d'ailleurs sur la guerre euh, et sur le terrorisme. Alors, pour conclure sur cet aspect-ci du professeur Raoult et de... Euh, des euh, conflits d'intérêts, des médicaments, euh, des vaccins. Je crois qu'on doit évidemment savoir qu'il est normal qu'on soit tous angoissés, pour voir ce qui se passe, qu'il faut faire, et ce sentiment peut pousser à l'envie de croire qu'il existe une solution simple, et peut donner l'envie de croire en quelqu'un qui va nous sauver. C'est pour ça que j'ai intitulé ma chronique de, avec un titre un peu provocant le professeur raoul il nous sauver. je crois qu'on doit distinguer il y a dans les débats politiques et publics des choses qui sont simples c'est ce que j'ai déjà expliqué sur les sujets dont je m'occupe tout ce qui concerne les guerres les crises économiques les conflits nord-sud les injustices sociales c'est quelque chose qui, en réalité, est simple, même si certains politiques et certains médias veulent nous faire croire que c'est compliqué et trop compliqué pour eux. J'ai donné les critères pour juger, par rapport à tous ces sujets dont je viens de dire, spécialement les guerres. Les critères sont, 1 chercher les intérêts, chercher l'histoire de ce qui s'est passé, qui a fait telle injustice, qui a provoqué telle situation chercher qui on diabolise, chercher comment on inverse l'agresseur et l'agressé, comment on essaie toujours de se faire passer pour la victime ou l'innocent ou l'humanitaire, et monopoliser le débat. C'est ce que j'ai appelé, empêcher qu'il y ait un débat entre les différents opinions. C'est ce que j'ai appelé les cinq principes de la propagande de guerre. Et je suis convaincu que sur les questions d'économie, de politique de guerre, c'est simple. Euh, et il y a très bien moyen de l'expliquer, c'est ce qu'on essaye de faire avec nos livres, d'une façon simple et que tout le monde peut saisir l'essentiel. Mais, euh, et l'essentiel ici, dans ce cas, il est clair, c'est que le néolibéralisme, c'est-à-dire tout pour augmenter la fortune du 1%, détruire les protections sociales, détruire le temps du travail, comme Macron et compagnie n'arrêtent pas de le faire, c'est ça qui a aggravé le problème de la santé. Et un jour, il va falloir rendre des comptes, bien entendu. Et Hanoubek insiste, il me dit. Euh, il faut qu'on prépare maintenant le jour d'après. C'est-à-dire, quand la crise sera passée, on espère qu'on va tous faire la fête, mais il s'agira aussi de se poser des questions pour ne pas simplement dire, voilà, cette crise est passée, on est sauvé. Il est clair, quand on étudie les phénomènes des coronavirus, des, des virus précédents et des différentes gripes, des différentes épidémies, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, qu'on n'a pas tiré les leçons. Maintenant, il va falloir les tirer, il va falloir présenter la facture et, selon moi, organiser des commissions d'enquête, des commissions publiques sur qui a fait quoi. L Histoire de masques, par exemple, il faut que le public sache euh, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est les choses simples. Par contre, dans les débats de la recherche scientifique, Face à un virus ou des autres problèmes de scientifiques et de santé publique qui se posent, ça peut être beaucoup plus complexe. Et là, je crois qu'il faut accepter qu'on ne sait pas tout, qu'on n'a pas la réponse à tout, qu'il faut écouter les différents débats d'experts, qu'il ne faut pas se prétendre expert tout d'un coup parce qu'on a lu ceci ou cela ou parce qu'un tel a une bonne une bonne figure qui passe bien en vidéo. Donc, il faut croire en personne, il faut diaboliser personne non plus. Il faut, pour moi, beaucoup plus débattre et que le public puisse euh, contrôler ces choses-là et qu'on ait des commissions d'enquête, qu'on ait des observatoires de la recherche et des observatoires du pharma-business. Voilà. Je vais prendre vos questions dans, dans une minute, là, avant d'en venir à un deuxième aspect que je trouve important. Mais je voudrais, euh, avant de venir à vos questions, Premièrement, remercier l'équipe d'investigation qui, depuis deux semaines, -là, travaille d'arrache-pied pour, au niveau euh, du site, je remercie Grégoire, Federica, Michel et Rafa, qui euh, font en sorte que vous ayez, vous l'avez vu, beaucoup plus d'articles sur notre site et beaucoup de témoignages, d'analyses, de traductions, de réflexions, etc. sur le site investigation.net. Euh, je remercie David qui travaille d'arrache-pied pour préparer nos différents livres, ceux que je vous ai déjà montrés et ceux qui sont en préparation. Il y en a notamment sur les raisons profondes du conflit Chine-États-Unis. Euh, David s'occupe de fournir nos livres euh, que vous pouvez euh, commander ici à notre... Euh, Rubrique de livres sur le site. David s'occupe de vous les expédier quand vous avez des commandes. Malheureusement, les librairies sont fermées, c'est bien dommage, mais il est possible de se les procurer sur notre site. Et euh, voilà, je rappelle que euh, nous offrons la peur de Robert Charvin, la peur arme politique. Gouverner, c'est faire peur et rassurer. Pour toute personne qui commande à partir de 50 euros des bouquins dont j'ai parlé, Merci à David pour le travail qu'il fait. Si vous avez un problème avec votre commande ou si vous avez des questions, vous écrivez via le site à propos de votre commande. Je voudrais aussi dire que, nous avons, que la vente des livres sert avec vos dons à payer les salaires des jeunes journalistes dont j'ai parlé et que donc on a besoin de votre soutien que vous pouvez trouver sur le site. À là euh, à l'adresse qui est figure ou euh, en écrivant à doninvestigation.net ou en écrivant sur le site si vous avez un problème ou une question je vous remercie d'avance vous êtes nombreux à nous soutenir il y a toute une série de personnes qui se sont manifestées en disant euh, vous faites un bon travail euh, ça ne doit pas être facile je vais vous soutenir donc euh, merci oui c'est effectivement on a besoin il va falloir dans les mois qui viennent euh, sécuriser les emplois et si possible développer investir action comme je vous l'ai déjà dit donc euh, l'équipe a besoin vraiment d'être renforcée donc merci à vous je dois remercier euh, aussi différents bénévoles qui se sont proposés depuis euh, deux semaines pour nous aider dans toute une série de choses pour le site pour des traductions pour des vidéos si vous pouvez nous donner un coup de main écrivez nous via le site bien sûr ou euh, maintenant ici sur le facebook euh, je voudrais remercier pour les recherches que, qui m'ont permis de vous présenter aujourd'hui ce travail. Mathieu, Ben, Mariana, Sabrina, deux, trois autres encore, euh, qui nous ont vraiment bien aidés euh, à préparer ces, euh, cette émission. Parce que, bon, on n'aura jamais les moyens de payer autant de permanents qu'il faudrait. Et donc, on applique aussi l'idée investi action Ça veut dire l'action, c'est vous, on a besoin de vos coups de main pour toutes sortes de choses. Je voudrais dire que vos questions nous sont très euh, utiles, que vous pouvez les envoyer à l'adresse que je cherche ici. Voilà. C'est l'adresse donc michel-midi-investigation.net. Je répète, michel-midi-investigation.net. C'est la bonne adresse pour nous envoyer vos questions, vos suggestions vos documents, je voudrais juste vous demander une chose. Euh, soyez très précis dans ce que vous annoncez et dans ce que vous demandez. Quand je reçois un message, que pensez-vous de cette vidéo qui me dit euh, avec un lien Et la vidéo peut être très longue parfois et qu'on ne me dit pas de quoi il s'agit. C'est une vidéo que j'ai peut-être déjà regardée plusieurs fois. Donc soyez très précis, décrivez dans l'objet. Ce que vous envoyez, pourquoi, si c'est une vidéo, je n'aurai pas le temps de les regarder toutes, ça c'est clair. Euh, Décrivez en trois lignes ce qu'il y a dans la vidéo, pourquoi vous le trouvez important, et comme ça je pourrai éventuellement l'envoyer à quelqu'un de notre équipe ou euh, le rega la regarder. Voilà au niveau de votre interactivité, de votre participation. J'ai euh, Maintenant, je vais vers le Facebook. Pour voir quelles sont vos euh, questions ou interventions. Alors, euh, on ne sait pas quoi penser de cette situation, sauf si le comité scientifique cache des choses, Sanofi sortira gagnant et donc la France. On va parler un petit peu de Sanofi et... Euh, dans le prochain Michel Midi, parce que je vois bien qu'on ne pourra pas traiter tout aujourd'hui. Le prochain sera à fond sur le pharma business, mais on va déjà en parler un peu. Nous sommes très disciplinés pour la plupart. Ce qui est grave, c'est qu'au lieu de reconnaître leurs erreurs, ils vont dire que c'est notre faute, etc. Bien d'accord. Tous les médocs sur le marché ont des conséquences positives ou négatives à court et à long terme. Oui. Euh, on perd quoi en testant la chloroquine Faut-il laisser les gens mourir jusqu'à trouver le remède efficace Je ne dis pas qu'il ne faut pas en administrer. Je dis que des experts disent, faites attention et ne, euh, faites, ne distribuez pas des médicaments sans avoir étudié quels sont euh, les euh, contre-effets qui peuvent être importants. Euh, on me dit qu'il y a eu un problème dans un hôpital à Villevordre près de Bruxelles récemment, on l'a gardé sous silence, bien, je ne suis pas au courant. Envoyez-moi et des, des personnes lui disent d'où tenez-vous l'info, effectivement, vérifions, ok, envoyez-moi plus de détails pour qu'on puisse euh, euh, essayer de comprendre. Euh, ben, pas seulement euh, quand, moins de vieux c'est pas seulement euh, moins de retraites à payer, c'est une société sans mémoire absolument, on a beaucoup besoin de nos vieux et de l'expérience, je parle pas pour ma chapelle mais euh, bon, c'est en train d'arriver euh, l'option darwinienne des pays anglophones est criminelle la France a choisi la voie du salut je pense qu'effectivement à ce stade le confinement est tout à fait préférable à dire ok on accepte euh, beaucoup de morts, bien euh, voilà, voilà. Euh, une discussion sur Villefort. Bien, nous attendons les informations. Euh, beaucoup de remerciements, beaucoup de messages de sympathie. Merci. Euh, bonjour Michel, quelle est la priorité absolue selon vous pour le jour d'après Bonne question. Je compte faire un Michel Midi, euh, je ne sais pas quand. Mais ça sera consacré à ça. Que faisons-nous après euh, Ça pourrait s'appeler, je ne sais pas, 10 bonnes résolutions ou un truc pareil. Euh, ça se prépare. Vous pouvez toujours envoyer vos idées. Euh... Pourquoi le gouvernement a accepté l'utilisation de la chloroquine juste pour les cas désespérés N'est-ce pas une manière de pousser Raoult à l'échec Je ne vais pas donner un avis, moi, sur cette question. Je vous ai dit, c'est une question où il faut. Écouter les scientifiques et les experts en espérant et en contrôlant que nos gouvernements ne soient pas trop euh, influencés ou déformés par certains experts. Voilà, voilà. Pouvez-vous examiner le cas de l'Égypte C'est le pays d'Afrique le plus touché par le virus. Je soupçonne que le gouvernement nous cache les chiffres réels. Bien, je m'attends à des asses sanitaires. J'ai reçu plusieurs messages en ce sens. Je vais consacrer à Michel Midi. Euh, sur l'Afrique prochainement euh, par rapport au corona et vous pouvez envoyer des informations sérieuses, mettre en contact avec des personnes qui pourront le faire. Euh, le seul laboratoire en France qui produit la chloroquine est en liquidation judiciaire et euh, si j'ai bien compris, euh, il va être repris par une grosse firme de l'agrobusiness. On va creuser cette histoire prochainement. Voilà. Euh, J'ai un graphique que j'aurais dû vous passer tout à l'heure, mais j'étais entraîné par euh, mon explication. Le graphique montre que, euh, je traduis, l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne ont plus de morts attribuées au coronavirus que la Chine à la même euh, époque du développement de l'épidémie. Alors, il y a beaucoup de lignes. On voit la Chine en jaune, qui à 35 jours avait 2700 morts. On voit l'Iran qui en a beaucoup. C'est effectivement un pays qui nous préoccupe beaucoup. Et là, on a un prochain Michel Midi sur les sanctions et l'impact des sanctions. Ça, euh, tous les pays victimes des sanctions par les États-Unis. Est-ce que vous savez que les États-Unis imposent des sanctions Économique, commerciale, c'est-à-dire le blocage souvent des médicaments, des appareils médicaux. Est-ce que vous savez que les États-Unis imposent le blocus, le sabotage à 39 pays dans le monde C'est absolument criminel. Pour moi, ça doit cesser. On va consacrer à Michel Midi entièrement là-dessus. Euh, on a ici, par rapport à ce que je disais, le néolibéralisme on a une manifestation de blouse blanche. L'État compte les sous, on va compter les morts. Et donc, il faut rappeler qu'effectivement, l'État français, mais en Belgique aussi, on n'a euh, vraiment euh, pas bien traité les infirmiers et les infirmières et les soignants en général, parce qu'il y a les aides-soignants, il y a toutes les autres professions qui s'occupent de la santé des gens et des vieux. Ils ont été très, très mal soignés. Et euh, maintenant, on dit que c'est des héros. Bon, il aurait fallu le dire un peu plus tôt. Il aurait fallu leur mettre le, les budgets. Il aurait fallu leur mettre des rémunérations, rémunérations pardon, correctes. Et euh, voilà. Euh, une autre image que je vous ai préparée est celle-ci Bill Gates. Bon, ce n'est pas mon copain. Il y a un très bon livre publié euh, sur, chez Actes Sud. Euh, J'en ai déjà parlé. Qui indique que Bill Gates n'est pas du tout un philanthrope et qu'il faut se méfier. C'est pas pour ça que quand il dit que le ciel est bleu, il faut dire non, le ciel est gris. Et c'est pas pour ça que tout ce qu'il dit est faux. On a euh, la CIA qui a annoncé dès 2009 ou 2003, je ne sais plus, euh, j'avais le document, mais j'ai oublié de le placer, qu'on allait avoir un scénario possible d'une grande pandémie comme celle-ci. Et Bill Gates, dans une conférence, euh, ici annonce que le plus grand risque de catastrophe mondiale, ce n'est plus le nucléaire, c'est une pandémie. Donc certains en déduisent, ah oui, donc il a tout prévu, donc il a tout organisé, stop. Euh, Bill Gates n'est pas mon copain, je pense que c'est un faux philanthrope et qu'il faut se méfier de ce qu'il dit parce qu'il travaille avec le pharma-business et avec des firmes qui ne sont pas du tout la solution, qui sont une partie du problème, comme on le verra dans le prochain Michel Midi. Mais quand il annonce que le plus grand péril pour l'humanité, ce sont ces épidémies qui vont se répéter et qui, non, qui peuvent s'avérer très dangereuses, je pense que là, il relaye quelque chose que beaucoup de scientifiques ont dit. Et la question à se poser, c'est pourquoi les gouvernements n'en ont rien fait toujours le néolibéralisme, le profit à court terme, ça ne rapporte pas de faire de la recherche fondamentale, de créer des stocks, de prendre des précautions, d'avoir des lits d'hôpitaux, de former suffisamment de médecins. On est toujours dans le profit à court terme. Donc, voilà euh, ce que je voulais dire pour une fois, d'accord sur un point avec Bill Gates. Et je voudrais euh, conclure pour aujourd'hui sur ce que je disais, de quelle politique de santé avons-nous besoin Il y a euh, Jacques Attali, qui est un grand, un grand intellectuel chouchou des médias dominants, et qui a été le conseiller de quasiment tous les présidents français depuis euh, Mitterrand, qui en 2007 a dit que le principe de précaution, il fallait l'abandonner, que ces idées de protection des populations, il fallait les abandonner, qu'il fallait libérer le travail de ces contraintes. Il a même dit en 2013 que le principe inscrit dans la constitution de la protection des populations est suicidaire, et donc on est passé de « gouverner ses prévoirs » A pour lui euh, gouverner, c'est laisser faire les forces de l'argent sont retenue, comme le souligne dans un biais le médecin Badia que j'ai déjà cité. Donc, il euh, y a ce que Athalie nous a raconté, ce qu'on nous a tout le temps euh, raconté ces euh, 30 dernières années, et puis il y a une autre façon de voir les catastrophes dites naturelles comme justement un révélateur de ce qui ne va pas dans notre société. Alors mon ami Saïd Bouamama qui vient de publier, euh, je crois qu'il est déjà sur Investigation, inscrivez-vous à notre newsletter bien entendu pour être averti, euh, il a publié un très bon papier sur justement le coronavirus comme analyseur montrant la vulnérabilité de la mondialisation capitaliste. On va y revenir. Je vais essayer d'interroger Saïd prochainement. Oui, j'ai mis au point. Euh, un, enfin, on a mis au point pour moi et on a installé un programme qui va me permettre de faire des interviews dans Michel Midi à distance, bien entendu. Et euh, c'est. On va faire des tests, mais je pense que ça va être au point pour jeudi ou vendredi. Euh, enfin, c'est au point, mais je veux faire un test pour être sûr parce que. Quand je lance un nouveau truc avec Michel Midi, vous avez l'habitude que je me plante et qu'il n'y a pas de son ou il manque quelque chose, donc je vérifie que tout va bien. Saïd Mama, je reviens à son papier, compare le cyclone Ivan, qui a touché Cuba en septembre 2004, et le cyclone Katrina, qui en 2005 s'est abattu sur la Floride, et la Louisiane et le Mississippi. Dans les deux cas, on avait un cyclone de catégorie 5. Avec des vitesses dépassant 250 km/h. Mais euh, faire relever Saïd, à Cuba, aucun décès. Aux États-Unis, 1836 morts et 135 disparus. J'avais analysé ça dans un livre que j'avais écrit à l'époque, Push le Cyclone. J'avais analysé les catastrophes de l'État des États-Unis par rapport à cette, à cette totale imprévoyance et ce mépris par rapport aux populations. Pardon. Et euh, Saïd Bouamama relève que on ne doit pas parler de catastrophe naturelle. On doit euh, parler en fait de qu'est-ce que notre État a prévu et est capable de faire, quelles sont les valeurs qu'il met au-dessus euh, le profit ou bien la santé des gens. Et il met en garde Saïd contre la privatisation, en citant ce calicot excellent de Manif, quand tout sera privé, nous serons privés de tout. Et donc voilà, la santé, est-ce que ça peut être privé ou non C'est la grande discussion qu'on doit mener. Et euh, j'ai remarqué, comme beaucoup d'entre vous, que 500 médecins viennent, viennent de déposer plainte contre le gouvernement français pour les carences dont on a parlé, ces révélateurs. Je crois que en même temps qu'il faut faire ça, il faut proposer des alternatives, il faut proposer des pistes de solutions, il faut proposer ce qui est à renforcer. Et je crois que s'il y a une chose qui montre bien son utilité dans la crise actuelle, c'est la sécurité sociale. Les milieux patronaux n'ont pas arrêté de nous dire, oui, la sécurité sociale, ça coûte cher, on doit payer aux gens, vous imaginez, quand ils sont malades, quand ils sont à la retraite, quand ils sont au chômage, des accidents, on doit payer, du coup, on n'arrive plus à produire de façon compétitive. Ben, désolé, maintenant, c'est rigolo parce que tous ces néolibéraux sont en train de devenir plus socialistes que le pape et de dire, oui, oui, il faut la sécurité, il faut en donner de l'argent aux gens, etc. Donc, il faudra retenir cette leçon, justement, voilà, une première leçon pour euh, le jour d'après. Et. Il faudra retenir que ce que Macron dit maintenant dans ses belles paroles, c'est exactement le contraire de ce qu'il a fait par rapport au Gilet jaune et par rapport au mouvement des retraites. Donc le mouvement pour protéger les retraites qui ne devra pas disparaître, qui devra se poursuivre. Il faut commencer maintenant sur Internet à voir comment on peut préparer la mobilisation pour mettre en échec ce projet définitivement. Euh, C'est certain que si on travaille bien, la position de Macron sera beaucoup plus difficile après pour continuer ses attaques. Et on doit bien voir que ce que Macron prépare, ben ça fait faillite euh, aux États-Unis ou euh, en Grande-Bretagne. On a aux États-Unis, on peut se préparer à un benzin social. Les intérimaires n'ont pas droit au chômage, les indépendants perdent beaucoup ici aussi. Donc l'importance de la sécurité sociale est, est majeure. Et Trump vient d'essayer de prendre des mesures pour faire des cadeaux énormes aux multinationales. Bon, ça ne surprend pas. Et le Congrès, qui est d'une autre tendance, a dit que non, ça ne va pas de donner tout le fric aux firmes. Il faut penser d'abord aux victimes. Donc, ça met en accusation le néolibéralisme chez Trump, chez Johnson, chez Bolsonaro, bien entendu. On voit qu'ils sont vraiment catastrophiques. Et voilà, euh, pour le jour d'après, il faudra aussi se rappeler, comme je l'ai dit, que... La crise de 2008 des banques, elle avait été provoquée par les banques qui avaient vendu des euh, maisons, des logements à des gens qui n'en avaient pas les moyens en les trompant et en se disant, ben, s'ils ne peuvent pas payer, on va récupérer les maisons. Ça s'est cassé la gueule. Ils se sont retrouvés avec des maisons qui ne savaient plus vendre parce que le marché a craché. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après la crise de 2008 C'est nous qui avons payé euh, les fautes des banques nous les avons payés pour qu'ils recommencent la même chose. Donc ça, il faudrait quand même qu'on en tire des leçons et qu'on on ne se fasse plus avoir encore une fois. Euh, D'autant plus que, comme je le disais, le corona risque de revenir dans une deuxième vague. On risque d'avoir d'autres virus qui vont euh, sur, produire la même, les mêmes effets. Et donc voilà, il faudra euh, de la prévention, il faudra mettre au pas les intérêts. Qui détruisent notre santé. Il faudra. Mais bon, tout ça, de tout ça, je parlerai avec Staff prochainement. Et il faudra réfléchir aussi comment ça se fait que Cuba, qui est un pays pauvre, il n'y a pas de ressources naturelles, il n'y a pas une économie très florissante, il y a des sanctions, des blocus qui affaiblissent terriblement l'économie cubaine, et malgré ça, ils obtiennent des résultats formidables au point de vue santé. Euh, on est en bien meilleure santé à Cuba qu'aux États-Unis. Il faut réfléchir quand même à ça, comment c'est possible. Alors, vous n'êtes pas obligé de dire, oui, tout ce que Cuba fait, euh, j'aime bien, mais il faut vraiment réfléchir d'où ça vient. Pourquoi Est-ce qu'on a 8 médecins pour euh, euh, 1000 personnes à Cuba et euh, 3 et de moins en moins en France Donc ça, il faut réfléchir. Euh, et il faudra réfléchir, et on va le faire, sur les firmes pharmaceutiques qui euh, sabotent. Euh, la santé dans le nord et dans le sud. Il faudra réfléchir sur la question du budget des recherches fondamentales, de la publicité pour les médicaments. Voilà, ce sont des choses dont on va euh, parler dans le prochain Michel midi que je vais faire pas demain parce qu'il y a encore beaucoup de préparation aussi. Je vais le faire jeudi midi. Je vous donne rendez-vous. Euh, on va tirer les leçons de cette. Euh c'est de ce que le, la crise nous apprend sur le pharma business. Je signale, pardon, une dernière minute, on m'indique que le, le journal officiel belge qui s'appelle Le Moniteur vient de publier un arrêté en urgence interdisant de mener certaines recherches sur certains médicaments et donc établissant un monopole des recherches. On va creuser cette question, ça semble inquiétant. Je crois au contraire qu'il faut pouvoir le faire de manière euh, collective, contrôlée, et qui est beaucoup d'initiatives et qu'on ne favorise pas certains intérêts. Voilà, je remercie euh, énormément euh, tous ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission, toute notre équipe. Je mettrai à la fin de l'émission le, les adresses pour nous écrire, pour envoyer vos questions, pour commander nos livres, pour soutenir notre équipe. Je regarde si vous avez... Euh, eu d'autres interventions récentes euh, nouvelles. les médecins cubains viennent aider l'Italie, ça me parle ça effectivement, c'est clair, euh, l'Union européenne n'a rien foutu pour l'Italie, les ont enfoncés comme ils avaient fait pour la Grèce. Et là effectivement euh, on a des choses, euh, choses qu'on voit dans la réalité. Rappelez l'adresse email d'investigation. Je vais le donner. Vous pouvez aussi nous écrire via le site. On, voilà, on parlera aussi bien entendu euh, des questions nord-sud du pharma business, de, du rôle de la Banque mondiale et du FMI. Voilà parmi euh, différents euh, thèmes que nous allons euh, traiter. Il y aura aussi des invités euh, pour euh, faire comprendre l'importance du pharma business. Je citerai une publication de Goldman Sachs, oui, la fameuse grande banque US archi spéculatrice. Donc vous voyez que j'ai des bonnes sources. Et Goldman Sachs a expliqué que il y avait un grand problème dans le pharma business, c'est que si on guérissait les gens, après ils étaient plus malades et on faisait plus de profit. Mais il a dit ça très très sérieusement, c'est un problème du pharma business. Il faut savoir que dans le pharma business, la grande euh, spéculation, les fonds de pension, les hedge funds, etc., les, les trucs les plus spéculatifs, ont investi massivement le pharma-business aux États-Unis et ailleurs. Ça pose des problèmes. Si c'est la bourse qui décide comment on va nous soigner, ça pose vraiment un problème fondamental. C'est de ça qu'on va traiter. Pour vous donner un indice, un point de réflexion, la France est le pays qui a établi le record de rémunération des actionnaires du pharma-business. Avec 51 milliards d'euros de dividendes distribués. Voilà la question pour bientôt. Est-ce que le pharma business doit servir la bourse ou doit servir nos santé et nos enfants et notre avenir C'est ça la question qu'on va traiter jeudi. Je vous remercie. Je vous appelle à soutenir Investigation et à participer au travail. Euh, autour de vous, il bon, y a les voisins, avec qui c'est peut-être pas direct, mais sur Internet, vous savez bien qu'on peut parler de beaucoup de, de gens, avec beaucoup de gens, et on peut faire progresser la bataille des idées. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous jeudi midi pour un prochain Michel Midi et la bataille de l'info. Au revoir.